otages. On a une vingtaine d'individus cagoulés et armés. Des otages? Il semblerait qu'il y ait au moins 3 otages. Quel type d'armes? On a des kalachs en visuel, mais on sait jamais ce qu'ils peuvent planquer. Soyez prêts. On accostera aux alentours de 6 heures par voie maritime. On a un bateau qui est mis à disposition. L'équipe Alpha vous supportera par hélicoptère au-dessus. Bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude, on se concentre aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'SPDFR. Je ne suis pas en facecam, exceptionnellement, et je suis avec, vous le voyez, des pilotes professionnels en hélicoptère juste en haut, et je suis avec des collègues à pied. Nous sommes aujourd'hui la SWAT, et nous sommes partis pour une intervention assez compliquée. Vous voyez là-bas, un yacht, ce yacht là-bas est pris en otage par on ne sait combien d'individus. D'après nos informations, il y aurait au minimum 3 otages à l'intérieur, donc le but du jeu ça va être eh bien, de les ramener en vie tout simplement et que tout se passe bien. Donc voilà, le yacht a été pris en otage, on y va au petit matin, donc ils vont pas s'attendre à nous voir. On a une équipe en hélicoptère juste en haut et nous on est l'équipe en bateau, donc on va accoster eh bien le yacht et on va voir comment ça va se passer. Sur nous on a du gaz lacrymogène pour disperser et on va voir comment ça va se passer. J'espère que les amis que cet épisode va vous plaire et que la mise en scène également. On est parti les amis, on va pas perdre plus de temps. Par contre, allez le bateau, bombardez-moi la barre des pouces bleus et on est parti. Je monte dans le bateau, je suis trempé, c'est pas du tout réaliste, mais c'est pas grave, je vais aller chercher mes collègues, parce que là mes collègues ils vont être un petit peu dans le mal. L'hélicoptère il est prêt, c'est nickel, et puis nous on est parti tout simplement. Alors je vais juste pas les écraser. Ok, j'ai un collègue qui est monté, le deuxième aussi, et le troisième aussi, donc on est prêt. Vous êtes prêts pour l'assaut, j'espère que ça va bien se passer. Les amis, on est parti, feu vert, top départ, direction le yacht. Donc le yacht on va l'accoster tout simplement, je pense, depuis l'arrière, donc là où ça va être plus simple pour nous pour monter. Je pense que ça va être le plus simple. On va essayer de faire profil bas. On sait pas trop comment ils sont armés, on sait pas trop comment ils sont chauds. L'hélicoptère est là. L'avantage avec le brouillard, c'est qu'ils vont avoir un petit peu du mal à nous discerner. Et comme ils essayent un peu de faire profil bas, on sait pas quelles sont leurs intentions. On n'est pas là pour mener des enquêtes. Mais du coup, ils vont pas trop se poser des questions en voyant le bateau arriver. Ce sera forcément dès qu'on va commencer à donner des coups de feu qu'ils vont comprendre la douille. Mais là, ils vont rien remarquer, vous allez voir. Normalement, ils vont rien remarquer. Ah oui, ils sont nombreux, il y en a sur les toits. Ah ouais! Ah ouais, 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 ça va être un peu compliqué. Bon, là, normalement, ils vont pas trop se poser trop de questions. Impeccable. On va s'accoster ici. On va s'accoster ici. Ok, là, il y en a un qui peut nous voir à tout moment. Les gars, on va prendre l'échelle gauche. On va prendre l'échelle gauche. L'hélicoptère est là, il survole, ça va très vite partir en cacahuète. Hein. Ça va très vite partir en cacahuète, moi je vous le dis. Allez, vous êtes chauds les gars? Bon, on va dire qu'ils vont surveiller les arrières. Allez, c'est parti, on va directement entamer. On va directement envoyer du gaz lacrymo pour les étouffer. Ils ont compris. Ça tire, c'est parti. Ça y est, ça commence à tirer. Ok, ok. Je vais prendre la droite, je vais prendre la droite. Donc on a un hélicoptère en support en haut, je le rappelle. On arrête, police! Tous ceux qui veulent se rendre, se rendent! Bon, ils auront pas l'intention de se rendre, hein, vous l'aurez compris. J'espère qu'ils vont juste pas s'attaquer aux otages. J'ai perdu mes collègues sur le bateau. Ça, c'était pas prévu. Ok. Ok, 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 ok. Putain, ils sont nombreux, hein. Rends-toi!
Allez, vas-y, on avance, on avance, on avance, on avance. On avance. Police! Ok, j'en ai une là, j'ai une individu ici. Madame, restez au sol, madame. Eh ben voilà, j'ai des collègues avec moi. Eh ben voilà. Ok. Ok, ça tire, ça tire, ça tire. What? Oh, le guet-apens, mec. Ok. Madame, restez à genoux, tout va bien se passer. Hop, dans ta gueule. Ils sont méga nombreux, hein. Je sais pas combien ils sont au total. À mon avis, c'est pas fini. Ouais, ça tire, ça tire, ça tire. Ça tire, ça tire. C'est où, collègue? Ça se passe où? Ok. Ok, j'ai mes collègues ici. Eh ben, j'ai l'impression, les amis, que ça a l'air plutôt clean. Je suis pas sûr. Ok, madame, tout va bien. Restez à genoux, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors, pour le moment, j'ai vu que deux individus. Hein. Ah, bah, j'en ai un là. Monsieur, c'est la police. Je vais vous demander de mettre vos mains en l'air. Mettez-vous à genoux, s'il vous plaît, pour des raisons de sécurité. Mettez-vous à genoux, les mains en évidence. Je vais vous mettre les mains dans le dos pour des raisons évidentes de sécurité, monsieur. C'est forcément un civil et tout qui a été pris en otage, mais voilà, pour des raisons de sécurité. Voilà. Vous allez venir avec moi, monsieur. On va se mettre sur le devant du bateau. Les deux femmes à l'intérieur, c'est les propriétaires du bateau aussi. Vous pouvez nous dire s'il y a encore des otages. Ok, donc du coup, il y aurait encore que les deux femmes, hein, du coup. Hein. Il resterait plus que les deux femmes. Donc j'en ai une qui est en haut. On va pas trop se précipiter, on va faire attention. Ok, bonjour madame, relevez-vous, c'est la police. Mettez-vous à genoux, s'il vous plaît. Mettez-vous à genoux. Elle va avoir des crampes au bras, elle, hein, moi je vous le dis. Hein. Voilà, pareil pour des mesures de sécurité. Pareil pour votre collègue, je vais vous placer, non pas en arrestation, mais je vous mets les serflex, madame. Laissez-vous faire, tout va bien se passer. Du coup, ouais, je disais, je vais appeler les médics en hélicoptère, vous allez voir, c'est méga stylé. Donc, pour voir si on peut-être réanimer certains preneurs en otage. Pourquoi je peux pas passer? C'est fort embêtant, ça. Ok, je suis bloqué avec elle. Bon, madame, on est bloqué derrière le comptoir. Ah non, c'est bon. Parce que je me suis dit, on aurait pu faire des choses assez intéressantes. Mais enfin, on n'est pas là pour ça. Alors, hop, je vais vous mener vers le devant du bateau. Voilà. Avec votre collègue. Hop. Et pareil, normalement j'ai une dame là-bas. Non, c'est pas ici. Elle est où? Elle est en haut, je crois. Elle est en haut. J'espère vraiment que ça vous plaît. Hop, voilà. Allez, madame, je me permets de vous prendre. Hein, et puis on va se mettre à l'avant du bateau. Pareil, on peut pas passer. Madame, on est bloqué. Ok, là on peut passer. Bon, on va faire le tour, hein, écoutez. Ah, on peut passer par là, c'est bon. Voilà. Il y a des cadavres partout. On marche par-dessus les cadavres. C'est incroyable. C'est horrible. Ah là! Ah non, ils sont pas là, c'est encore en bas. Hop! Mais non, c'est pas là, c'est en haut. Eh, le yacht est tellement grand, je suis perdu. Mais comment on monte? Mais c'est un truc de ouf, comment on monte? Bon, restez ici, madame. Restez ici. Ok, du coup, je demande directement les medics en hélicoptère. Et c'est une fin d'intervention, en tout cas pour nous. On a mené à bien notre mission. Alors, il est où l'hélicoptère? Ouais, il doit arriver, hein. Mais non, mais ils sont cons. J'ai demandé. Ah ouais, non. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. C'est une air ambulance que je voulais. Pardon, excusez-moi. Ok, le voilà. Il est là. Ok. Il arrive. Donc, zone safe, hein, bien évidemment. Donc, il n'y a pas de souci. On va en demander un deuxième, vous savez quoi? Air ambulance. Ah, j'aurais pu demander ici un air SWAT backup. Bon, c'est pas grave. On a bien géré. Ok, les deux hélicoptères arrivent. C'est impeccable. Vous allez voir, c'est trop stylé. Genre, ils descendent en rappel et tout. Enfin, c'est vraiment magnifique. C'est ici, bonjour. C'est beaucoup trop stylé. En plus, on voit la lune là et tout. Voilà.
On va pas très bien voir s'il envoie là. Ils vont jeter leur câble et ils vont descendre en rappel. Voilà. C'est beaucoup trop stylé. Avec les collègues aussi en hélicoptère à côté. C'est beaucoup trop stylé. Voilà. Pareil pour eux. Ah, ils vont essayer de trouver un endroit pour se... Non, ça va en perdre la tête. Bon alors, ils font quoi? CPR is failed. Bon déjà, ils arrivent pas... Forcément, hein, j'ai mis des balles dans les têtes, hein, c'est normal. Hein. C'est forcément normal et tant mieux. Mais c'est les protocoles de sécurité. Voilà, là, ils descendent en rappel. Ah là là, c'est méga stylé. Bon, ils volent un peu bas l'hélicoptère, il me fait un peu peur. Hein. Ok, bon en tout cas, c'est une bonne fin d'intervention. Ça s'est bien déroulé dans l'ensemble. Toutes les victimes... tous les otages ont été libérés. Enfin, du coup, là, ils sont menottés, mais vous m'avez compris. Et ils vont être transportés et tout, ça va être impeccable. Ok, il y a tout un effectif là qui sont sur eux. CPR is failed. Ça m'aura étonné, dis donc. Ok, bah nous on va pouvoir repartir pour la simple et bonne raison qu'il y aura les collègues policiers qui vont arriver en bateau incessamment sous peu. Du coup, si jamais ils en réaniment un et tout, ils vont le transporter à l'hôpital mais avec toute une escorte policière, donc ça va être assez incroyable. Ils vont s'occuper des deux là, moi je vais en prendre une. Je vais en prendre une pour l'escorter tout simplement à bon port. Enfin, je sais même pas si ça va être possible en vrai, je vais essayer. On va voir si c'est possible. Parce que là mon bateau il est loin, hop, un petit plongeon. Voilà, c'était le plus beau plongeon de ma vie, on va pas se mentir. Allez, c'est pas le moment de montrer ta plus belle brasse, là, il faut... Non mais mec, quel tocard. Allez, dans le bateau. Voilà. Bah j'ai mes collègues qui sont à terre, ça fait plaisir. Voilà. Et on va aller chercher madame. La maniabilité est incroyable. Ah, c'est stylé de ouf. Voilà, on va se mettre au plus proche pour que madame puisse venir facilement. Mon collègue, il est pas malin. Voilà, hop. Allez, madame, venez. On va évacuer. Ok, je peux pas. Ouais, c'est bien ce que je pensais, on peut pas passer par-dessus. Bon, enfin, voilà, c'est une bonne fin d'intervention. C'est forcément un peu compliqué parce que c'est pas des vraies interventions, c'est moi qui ai tout mis en scène, donc forcément... bah c'est pas non plus toujours au point à 100%. Donc nous on va pouvoir évacuer tout simplement. On va pouvoir évacuer. Les collègues vont s'occuper du reste sur ce beau lever de soleil. Regardez comment c'est beau. Est-ce que c'est pas magnifique ce plan là pour s'en arrêter là franchement. Donc voilà, petite vidéo pour changer de d'habitude. Vous qui vouliez des interventions du SWAT, eh bien c'est chose faite. On en refera d'autres évidemment avec des vraies interventions. Oui, il y a l'hélicoptère, il me suit toujours. Avec des vraies interventions de call-outs, bien évidemment, on en fera également. Impeccable. Eh bien les amis, si cet épisode hors série, si on peut dire, eh bien vous a plu, n'hésitez pas à mettre un plus gros pouce bleu pour m'encourager, tout simplement. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, pour de prochains épisodes. C'était Mkolo, ciao ciao tout le monde.